Bonjour à tous. Je voudrais remercier Céline Bodard de m'avoir invitée à prendre ce rôle aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est quand même clairement de son fait. Voilà, donc je la salue. Le panel que l'on va voir, il est placé sous le signe de l'action. Donc on espère que ça va vous réveiller pour la dernière session de la journée. Quelque part, les trois situations qui vont nous être présentées sont des situations de terrain. Que les intervenants en soient partis ou non, c'est des comptes rendus d'expérimentation sur le terrain, en situation. Où je pense que ce qu'elles ont en commun, de ce que j'en sais, parce que je ne sais pas tout de tout ici, expérimentent quelque part ce que les outils de l'architecte peuvent faire sur ces territoires, d'ailleurs que l'on soit architecte ou non. Et je pense que les trois ont en commun de considérer l'architecture comme une pratique d'enquête, ou l'architecture et ses outils qui pourraient être mobilisés d'ailleurs par d'autres que des architectes. Et donc on va se retrouver ici avec trois terrains, et trois terrains parfois distants, parfois proche et à la fois distant, puisque Paola Velasco-Espin nous parlera de l'Équateur, et que les prénoms sont un peu difficiles. Ezegul Kankat, pardon, nous parlera de la Turquie, et je pense que Sébastien Thierry nous parlera d'un lieu à la fois proche mais plein d'ailleurs, si j'ai bien compris. Voilà, je vous laisse la surprise parce qu'il voulait la maintenir entière. Ce qui va se passer, c'est que je vais quand même chaque fois présenter nos intervenants, parce que c'est quand même bien de savoir qui on a en face de nous, et les laisser parler leurs 20 minutes. Je vais ouvrir quand même, si jamais il y a une question très urgente que vous auriez envie de poser, qui est précise sur l'intervention, mais peut-être ne pas rentrer dans les débats, parce que je pense que les débats peuvent se passer à l'échelle des trois présentations, parce qu'il y a de bons échos entre elles. Mais je vais quand même permettre, donc si jamais vous avez noté une question pressante, levez la main et on peut la poser entre les interventions, pour aussi ne pas perturber le débat avec des questions trop précises ou pointilleuses sur une des présentations. Voilà, donc on va commencer avec Paola. Donc Paola Velasco Espin. Oh, also, it's a bilingual panel. Sorry. So, vous avez ici un panel bilingue. Donc Paola va parler en anglais. Je l'introduis donc en anglais. Si vous avez des questions pour elle, elle comprend le français, mais j'ai cru comprendre qu'elle préférait parler en anglais. Si vous pouvez parler l'anglais, c'est préférable. Alors Paola Velasco Espin est architecte diplômée de la faculté d'architecture d'Équateur. Elle travaille avec le gouvernement équatorien. Elle a reçu son master en 2014. Au cours des dernières années, Paola a participé dans différents ateliers à Londres, Brescia et ailleurs. Elle a travaillé avec différents groupes, différents professionnels. Elle a travaillé au niveau du ministère de développement social à l'Équateur. Elle a cofondé son cabinet en 2010 et elle travaille également en tant que maître d'ouvrage. En ce qui concerne ses domaines d'intérêt, comme vous le verrez, ce sont les notions politiques et sociales de la conception architecturale dans la conception et la construction des villes. Très bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'activisme, le militantisme, si vous voulez, l'architecture et la politique, l'influence de l'architecture sur la politique. Je vais vous parler du militantisme, de l'activisme, une pratique équatorienne qui est assez intéressante comme mélange de ces théories. Donc, architecture et activisme, un effort politique. Non, les interprètes sont désolés, mais Madame lit un texte qu'on n'a pas. L'objectif de cette présentation est en fait de regarder l'activisme et l'architecture. Je voudrais voir si l'architecture peut sous-tendre un ordre social
Dans les minutes qui suivent, je vais essayer d'établir la problématique des architectes comme agents critiques du changement plutôt que d'instruments de légitimisation néolibérale. En fait, il y a la question de savoir comment connaître sa place en société. Du point de vue de la pratique architecturale, qu'est-ce que ça veut dire de refuser de connaître sa place dans cette présentation? Je voudrais voir comment ce refus d'accepter sa place fait que l'architecte est plus qu'un objet. Dans cette première partie, je voudrais voir en fait la définition de la politique et l'attribution de certains rôles à des individus dans la société. La première partie traite en fait de la définition de la politique et l'attribution de certains rôles à certaines personnes de la société. Dans la deuxième partie de ma présentation, je voudrais expliquer ce qu'on entend par l'activisme, l'architecture et la politique et pourquoi ceci l'est ou n'est pas important. La troisième partie va traiter des approches innovatrices utilisées par l'atelier d'architecture à Quito. Et il faudra tout d'abord déterminer si en fait l'objectif proposé est. Je suis désolée, l'interprète s'excuse, mais l'orateur lit un texte que nous n'avons pas. And on the capacity of design and architecture to challenge the status quo. Au cours de cette présentation, vous allez voir que la plupart des photos viennent de cette pratique dont je parle. Vous avez en fait la politique et l'espace Rancière. Lorsque vous lisez Rancière, cela vous donne en fait un cadre pour remettre en question l'ordre social. Il nous oblige en fait à repenser les rôles, les responsabilités qui nous sont attribuées. Même si son travail ne traite pas directement de l'architecture, ses théories radicales sur l'esthétique et la politique prend un aspect particulier par rapport à ceci. Je vais essayer de voir comment son travail peut être relié à l'espace et l'architecture. La société, en fait, est divisée, vous savez, en groupes liés à certains modes spécifiques. Vous savez que, étant donné que la société est divisée en groupes avec des modes spécifiques de faire, à des places et des occupations et des professions exercées, et ces modes correspondent en fait à des occupations et des endroits. Dans ce qu'il appelle la distribution du sensible, Rancière théorise sur l'attribution des personnes, des fonctions et des places dans la société. Cette distribution se fait par un consensus automatique que Rancière avait compris, déterminé ce qui est approprié et non approprié dans notre façon d'être. Et en fait, si nous voulons nous opposer à cet ordre, il faut donc une rupture qui introduit de nouveaux sujets dans la perception. Non, on ne veut pas suivre. La politique pense, il faut savoir que ce qui est unique sur cette rupture, c'est qu'elle est conçue comme un processus d'égalité dans laquelle ceux qui participent sont des êtres humains égaux. Et c'est la qualité, en fait. C'est pas possible.
La légalité est un point de départ qui doit être actualisé de façon expérimentale et logique, et cela qui opère à l'extérieur de l'être. À cette lumière, l'espace est le moyen d'organiser la politique. Et à partir de cette logique, on articule des identités et on alloue cela aux bons endroits et dans une logique. Mais ceci est également la condition même de la politique parce que l'espace constitue un élément intégral de perturbation en fait de l'ordre naturel de la domination. En essayant de tirer les informations de cela, on voit que la politique, en fait, semble perturber les gestes qui, en fait, sortent les... c'est pas possible. Therefore, it becomes, in short, political. Cependant, ce caractère politique va au-delà du perceptif. Il faut construire de nouveaux moyens pour que la société puisse avoir des liens et la façon dont les sujets sont vus et perçus. Mais non, monsieur. Is it possible to consider the causing actions as a kind of activism? If these acts are truly disruptive, they will be performed in the common ground of equality. So, can they be considered a form of speech? In the following section, I will explore whether such acts of disruption in space can be linked to design and seek to question whether actions under the name of activism can have the disruptive quality needed for political subjectification. Activism as inquiry. According to Thorpe, activism involves taking action that makes a claim for a change on behalf of a wronged, excluded, or neglected group. However, she argues that even though design's ultimate goal is to bring about change, more often than not, this materializes through private consumption, accessed according to the consumer's ability to pay. In her aim to define design activism, Thorpe borrows concepts from sociology and political science on activism, resistance, and protest. Based on them, she builds a basic framework to identify it as a practice that reveals an issue, makes claims for change, and disrupts routine practices or systems of authority. However, Marcusen argues this criteria is insufficient since it fails to grasp the particularities of the design act and its intimate interweaving between aesthetics and the political. Hence, he proposes to look at design activism as disruptive aesthetics, with political potential to disrupt or subvert existing systems of power and authority, and with aesthetic potential to open up the relation between people's behaviors and emotions. Another source to define design as activism is DiSalvo's differentiation between design for politics and political design. Departing from Mouffe's work, he refers to politics as the structures and mechanisms that enable governing, whereas the political is a condition of ongoing opposition and contest, which is experienced and expressed in a multiplicity of ways. In this context, he argues that design for politics does not challenge the governing order, rather it improves it, while political design engages in creating spaces for revealing and confronting power relations, it creates spaces of contest. Resonating with DiSalvo and Marcusen, design activism is essentially disruptive with political and aesthetic potential. It differs from conventional activism since it has a spatial and aesthetic dimension which have the capacity to interfere in their conventional ways of doing and feeling. Rather than striving for overtaking or reorganizing power,
These collective practices are disruptive and political in as much as they challenge the order of the police. Politics, before or else, is an intervention in the visible and the sayable, Rancière argues. This agency, therefore, acts upon the current distribution of the sensible, disrupting its order. It creates voids and room for conflict that enable a repetition of the conventional roles in our societies by altering the condition for urban experience. Operating from the spheres of design, architects have a role in these possibilities for disruption, which, as Rancière argues, have to start from the presupposition of equality. Activism here serves more as the capacity and will to act than a system to set the activist self apart from normal society through particular practices, codes, or preferences. Thus, design activism should be understood as a kind of inquiry into society, as evidence in new discourses and practices, and as the foundation of questions. The following section engages with architecture as... La session suivante, en fait, parle de l'architecture comme une pratique politique qui peut intégrer les relations et les rôles et prendre en compte les signes avec ce qui existe. Cet atelier est un atelier professionnel pour les étudiants en architecture à Quito en Équateur. Vous avez également un studio local qui travaille avec cet atelier, qui travaille avec des ingénieurs, des concepteurs, des anthropologues et des communautés de différentes parties du pays. Leur approche est une approche problématique avec une certaine logique. Il n'y a pas de recette ou d'étape fixe. Les étudiants et les professeurs font face à des situations réelles et ils vont réagir à ce qui existe, ce qui est disponible. Même si la méthodologie varie de cas en cas, il y a un modèle qui guide l'atelier. On commence avec une tentative de comprendre les besoins spécifiques. Lorsque ces besoins ont été remis en question de façon collective, on essaye d'avoir une approche participative qui engage tous, mais ce n'est pas toujours possible car pas tous les membres d'une collectivité ont le temps ou s'intéressent. L'important, c'est en fait les discussions qui ont lieu. Dans chaque projet, on essaye d'apporter des innovations technologiques. On essaye d'assurer que chaque structure fonctionne parfaitement. Une fois la conception définie, la construction démarre. Après, on établit un délai en termes de temps. Lorsque ceci est terminé, alors cette école pirate continue la construction et ce travail fonctionne en parallèle avec l'université. Au cours de la dernière étape, c'est à la classe de décider si elle souhaite publier ses travaux. Ce n'est pas une publication académique, mais souvent prend forme d'une brochure ou d'un mode d'emploi. Ce projet, en fait, s'est développé en dehors des classes. Vous voyez que pour ce projet, il y avait un budget de $0. Les outils, les matériaux ont été obtenus par les acteurs en jeu. La collectivité a fourni, en fait, les éléments pour pouvoir construire la structure. Et vous savez que cette région est une région tropicale, humide. En fait, l'objectif était d'offrir un endroit ombragé dans ce parc. Et ici, en fait, c'est le produit de techniques de construction non conventionnelles qui font appel à des matières premières locales. Enfin,
Si vous avez des questions, je serai très contente d'y répondre. Il faut savoir que l'impact de ce travail consiste à faire sortir les étudiants, les professeurs de leur zone de confort. Et il faut que l'étudiant ne soit plus un récipient passif de connaissances. Et il faut savoir qu'ici, les architectes écoutent, apprennent et l'hiérarchie traditionnelle est remplacée. Les étudiants ne reçoivent pas des solutions, mais sont encouragés et guidés pour qu'ils retrouvent eux-mêmes les solutions. Ils sont responsabilisés, on leur donne le pouvoir d'action. Il faut savoir que ce sens de collectivité va au-delà des égos et ici, en fait, on n'a plus la figure de l'architecte comme génie seul. Et il faut savoir que ce sont des conceptions, des constructions par les étudiants, les architectes eux-mêmes. Ici, on fait rupture avec les relations traditionnelles clients-architectes. Ici, même s'ils disent qu'ils ne cherchent pas à participer aux systèmes sociaux, à s'engager de façon politique, mais le projet a son propre langage, sa propre esthétique. Lorsqu'on leur demande comment ils ont développé cette méthode d'enseignement ou de faire de l'architecture, ils nous ont dit qu'ils ne savent pas faire autrement. Et en fait, cela change l'autorité de l'architecte sur place. Vous savez que différentes relations sont créées par le biais du conflit et rendent visibles les esprits et les corps qui réfléchissent, qui construisent, qui habitent ces espaces. Et c'est dans ce type d'espace que cette présence politique peut se faire et c'est ainsi qu'on peut transformer des espaces pour la manifestation des sens. Et ici, on est deux aspects. La création politique et la participation sociale. Merci. Je remercie Kolokai. Voilà. Voilà leur site web, si vous voulez aller sur le site pour découvrir leur projet. So maybe we go to, that's the hardening. Alors, maintenant que nous pouvons passer au suivant, Aizegul Kankat. Aizegul Kankat. On m'a demandé de parler plus lentement pour les traducteurs. Donc, Aizegul. Oh, bon. Madame Kankat. Elle est docteure en histoire de l'art, architecte. Elle est enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble et elle mène ses recherches au sein du laboratoire Les métiers de l'histoire de l'architecture, édifices, villes, territoires. Son enseignement se partage entre l'enseignement du projet, l'encadrement de mémoire et la dispense de cours magistraux. Deux axes majeurs organisent ses travaux de recherche, l'habitat spontané comme culture et référence pour l'architecture et le projet d'architecture comme question au territoire. Mon intervention s'intitule « Gégé-Condou comme expérimentation spatiale, détours et inversions pour repenser l'architecture ». Istanbul, naissance, enfance, adolescence, un territoire mis à distance par un détour par la France, qui, à son tour, est requestionné par un retour à Istanbul. C'est de ce qui se produit par ce voyage continu que la contribution va essayer de faire part, en mettant en tension, donc en action, la culture de l'architecte et la pensée du projet. La double distance, donc pas la double appartenance, j'insiste là-dessus, mais la double distance, dans un premier temps, cherche la différence et compare. Classe, donc sépare, mais vraiment sans succès. Les parts comparées disparaissent presque parce que confondues ou échappent parce que sans aucun repère commun.
Il ne s'agit donc pas de comparaison, mais chaque fois de redéfinition. Pas d'identité, mais de singularité. Pas de traduction, mais de réécriture. François Julien propose l'écart comme figure de dérangement, qui ouvre, en séparant les cultures et les pensées, un espace de réflexivité entre elles où se déploie justement la pensée. Par l'espace ouvert, l'écart permet un dévisagement réciproque de l'un par l'autre, où l'un se découvre lui-même en regard de l'autre, à partir de l'autre, se séparant de lui. L'écart met à distance, éloigne et bouscule. Mettre à distance les lieux permet de mettre à distance les certitudes qui laissent la place aux questions dans un état de flottement et d'instabilité permanent. Ainsi, dans les écarts, les inversions deviennent possibles du regard, du statut du dessin et du processus projectuel. L'inversion devient vraiment moteur du travail de la pensée. Là, j'ai pris cette map monde d'Albi du 8e siècle où, justement, ce n'est pas le Nord qui est en haut parce qu'il n'a pas toujours été en haut et l'Europe n'a pas toujours été au centre des représentations cartographiques. Alors, bien sûr, pour ce travail, moi aussi, j'ai un moment précis, on va dire, à partir duquel j'ai vraiment eu envie de m'engager, on va dire, en tant que, oui, architecte, enseignant, citoyenne, stambouliote, dans ce travail que je vous présente en partie, ce sont les projets de renouvellement urbain à Istanbul, donc qui œuvrent depuis une très bonne dizaine d'années sous la forme actuelle, et qui sont issus d'une fabrication spatiale sans architecte et sans planification, là les Gecekondu, je parle pour les quartiers de Gecekondu, qui veut dire littéralement poser de nuit, donc comme un oiseau, c'est la qualification donnée au quartier d'habitat spontané, donc en Turquie, et qui constitue le territoire privilégié des processus de renouvellement urbain en acte en Turquie. Alors, légitimé depuis 2012, par la loi relative au renouvellement des aires sous risque sismique, le renouvellement urbain œuvre dans les Gecekondu par tabula rasa et par la négation totale des qualités spatiales et sociales qui leur sont inhérentes. Le contexte politique actuel, autoritaire et répressif, qui met en avant la sécurité, le normatif et le contrôlable, rend encore plus urgente la nécessité de sortir du cadre et de placer l'architecture comme mode d'enquête de l'expérience du monde en œuvre dans ces quartiers. Pour toutes ces raisons, donc, depuis 2012, je mène un travail dans 12 quartiers de Gecekondu dans l'objectif d'une part de produire de la connaissance pour fonder scientifiquement ce type de production spatiale dans sa réalité matérielle et son intérêt intellectuel, et de l'autre, à partir de cette connaissance produite, de fabriquer de la matière pour penser le projet d'architecture et sa pratique contemporaine. Alors, on a trois triples inversions dans cet écart. Et l'inversion donc qui devient moteur de pensée, la première inversion, c'est celle de la pensée de l'espace, qui se met en acte par les articulations et les relations, plaçant les espaces ouverts et les entre-deux au centre de cette pensée. C'est dans cette inversion que le travail sur les Gecekondu se mène, des espaces presque nomades où la porosité, l'infiltration, l'ondulation qualifient les relations. La pensée du lien dans les entre-deux devient aventure, exploration, expérimentation, surprise et rebondissement. Comment énoncer les creux, les blancs du texte, ce qui ne se voit pas, les choses en train de se faire? Louis Marin propose le récit et la description comme les deux grandes modalités de l'énonciation. Comme si la description donnait à voir et à en entendre un état fixe du monde, et le récit et à en penser le devenir à partir des situations de vie et des lieux en articulation. Donc, la représentation de l'idée nomade, de la relation qui tisse ses innombrables fils dans toutes les directions. La deuxième inversion est celle du statut du dessin.
du redessin également, considéré vraiment comme outil d'énonciation du cheminement de la pensée et non comme outil de représentation d'un état fini et définitif. Le récit se met en action par le texte, mais aussi par le redessin, qui a capacité à représenter les blancs du texte, les entre-deux et les relations. Dès lors que le dessin est considéré comme expression de la pensée et non comme une figuration, il devient processus de recherche. Il permet de comprendre les éléments avec l'articulation entre les éléments. Le redessin, par le choix fait et par les intensités plus ou moins affirmées, permet de dessiner autrement et de dessiner fortement. J'aimerais maintenant vous présenter quelques instants et espaces de Geje Kundu en trois récits. Ainsi, donc dans le récit, les mots et le redessin sont un acte, pas uniquement le texte et les mots, mais aussi le dessin comme narration. Dans le récit par le texte, deux langues sont un acte, le turc et le français. Sur ces diapositives, donc, il y a les 12 Geje Kundu, les noms des Geje Kundu en gras, et après les qualifications par des mots qui racontent ces quartiers de Geje Kundu par rapport à des spécificités qui me sont chères, géographiques et de spécificités d'installation. Mais dans l'expression par les mots, il ne s'agit pas de traduction de l'une à l'autre, du français au turc ou du turc au français, mais il s'agit vraiment de repenser dans un autre univers linguistique, donc culturel, repenser à partir de cet écart. Et dans cette distance productive, les mots de François Julien, il n'y a pas de comparaison, mais une pensée qui se reconstruit dans le vis-à-vis des deux mondes avec croisement et séparation. Alors, premier récit, la rue dans la théière, le monde dans le brasero, la qualité nomade. Dans les quartiers de Geje Kundu, à différentes échelles de l'habité, les rassemblements, partages, mutualisations apparaissent et disparaissent au gré des qualités, proximité, ouverture offertes par les entre-deux. Un dispositif mobile, source de chaleur, donc là en l'occurrence la théière, rassemble les gens et contient leur monde, le temps de l'événement, pour disparaître et laisser place à un autre inattendu, un autre événement, ou se répéter un peu plus loin, un peu plus près, au gré de l'heure, du soleil, de l'ombre, des occupations des uns et des autres. Là, je vais défiler quelques situations où justement ce nomadisme est un acte. Et ce qui est important, c'est que cette occupation nomade ne marque pas de manière permanente l'espace qui est marqué par des qualités connexes qui invitent et permettent les occupations. Alors là, je vais moi aussi faire référence à Gilles Deleuze du fait que dans un mode nomade, la pensée circule en suivant les lignes de fuite et qu'elle est dans tout par la libération des espaces clos. Et également, l'espace lisse de Deleuze, qui est caractérisé par un indice d'occupation et s'apparente à l'espace ouvert des multiplicités nombreuses. Donc, dans ce récit, il s'agit de se poser comme un oiseau prêt à reprendre son envol. Le deuxième récit, c'est le ressac et l'écume, les limites en lisière. La pensée en relation et les relations réquestionnent la notion de limite dans des quartiers de Geje Kundu, l'imbrication du dedans et du dehors, où tout n'est plus vraiment à sa propre place, ainsi que le couple public-privé. Jean-Pierre Vernant et Bruno Cézanne attribuent aux deux divinités grecques, Hestia et Hermès, une partie des qualités de l'autre dans leur propre porosité. Hermès, représentant la mobilité, l'extérieur, le nomadisme, et lui aussi, mais d'une autre façon, lié à l'habitat des hommes et en même temps à l'étendue terrestre. Hermès habite avec Hestia à la façon du messager, comme un voyageur qui vient de loin et qui déjà s'apprête au départ. Rien en lui de fixé, de stable, de permanent, de circonscrit ni de fermé.
Il représente dans l'espace et dans le monde humain le mouvement, le passage, le changement d'état, les transitions, les contacts entre éléments étrangers. Une autre question qui est posée par la limite, dans le domaine juridique cette fois-ci, est celle de l'existence ou pas d'un espace défini entre l'espace public et l'espace privé. Nous sommes tous confrontés, on le sait, à l'espace semi-public, semi-privé, qui n'a en fait pas de valeur juridique, mais on essaie d'exprimer par ces termes des choses qui sont encore vraiment pas vraiment établies avec notre cadre de pensée. La notion abstraite de limite du droit romain constitue la base du droit foncier en France et dans les autres pays européens. Mais d'autres modes de gestion de l'espace existent. Pour Stéphanie Racimos, dans les villes régies, par exemple, par le droit coutumier et le droit musulman, Alfina, les confins, désignent un passage progressif et graduel d'une entité à l'autre et paraît remplacer la limite. Ce matin, François Guéry a fait justement référence au droit coutumier. Et le droit coutumier n'est pas uniquement le fait de l'islam, de toute façon, parmi les États fédéraux, encore aujourd'hui en Europe, il opère à condition d'être inscrit dans les textes, y compris pour la France et les territoires d'outre-mer. Donc, dans le Ressac et l'Écume, il s'agirait d'une occupation flottante et parfois décalée, comme Yakamoz. Yakamoz en turc veut dire la phosphorescence de la mer, quand il y a des bancs de poissons qui sont au fond et donc qui se reflètent de manière décalée à la surface de l'eau. Alors, troisième récit, l'amandier, le prunier, le figuier et autres arbres de Judée, aimant et émanation. Allant au-delà de l'arbre technique, du mail planté, du parc et du jardin public, nous proposons de penser l'arbre en vie, en abri, en enlacement, pour re-questionner les espaces de la sédentarisation et leur temporalité. L'arbre, la tonnelle, le kiosque, l'ota, des dispositifs qui émettent de l'attirance par l'enracinement pour un temps donné, capables de créer de la polarité et de la porosité temporaire, comme pour les populations nomades, ottomanes, berbères et autres voyageurs. Et ces espaces deviennent des références pour l'architecte. Cet enracinement temporaire agit comme le système sympathique, donc référence à la médecine cette fois-ci, qui prépare l'organisme à l'activité. Ces trois récits amène troisième inversion, qui est celle du processus projectuel, qui va s'expérimenter en se fabriquant, se faire, se défaire, se refaire, pour, in fine, inverser le processus du projet. Faisant de l'inversion moteur du projet par le changement du vecteur. Et ce fait va aller dans le sens de la multiplication du statut du projet d'architecture qui va, en fait, démultiplier ses forces. Alors, la multiplication du statut du projet d'architecture, je ne vais pas les détailler ici, mais ça fait référence aussi aux travaux que nous développons dans la thématique de master édification grand territoire ville à l'école d'architecture de Grenoble. Donc le projet comme question, production de connaissances, le projet comme hypothèse, possibilité à débattre, le projet comme recherche, problématique par le statut de question, le projet comme révolution permanente, condition de réversibilité et dans une transformation en continu. Et là, je viens, parce que quand j'avais présenté le résumé pour la proposition, on m'avait demandé si je pouvais faire le lien par aussi le retour à la France, par un détour par Istanbul. Bien sûr, il ne s'agit pas de comparaison, d'adaptation, d'intégration. Il n'y a pas de modèle qui peut se répéter d'un contexte à l'autre, d'un horizon à l'autre, mais il y a cette possibilité de re-questionnement à partir de ce détour par les Gecekondo.
Donc, dans ce tableau, il y a plusieurs domaines, et des inputs à partir des Gegekondu, des outputs par rapport habité, que ce soit dans les quartiers de Gegekondu, mais surtout pour les contextes dans lesquels nos étudiants, nous-mêmes, nous vivons et exerçons, donc dont la France, et liés à ces inputs-outputs, des questions, des requestions par rapport à des domaines. Vous voyez les domaines du vivre ensemble, de la gouvernance, évolution de l'habitat, confort, gestion des sols sont vraiment des questions d'actualité de la France également. Alors, par exemple, le retour à la France pour le vivre ensemble pourrait se traduire par la mise en place des actions à minima, tout en légèreté, pour laisser les possibles offerts et pour accueillir des usages mouvants, surtout par rapport, par exemple, aux droits coutumiers et la mise en veille temporaire du couple public-privé pour après l'appeler de nouveau, et travailler beaucoup plus sur dégradation d'usage, dégradation d'intimité et de partage. Et par exemple, par rapport à la transition énergétique, on pourrait parler de la question de la durabilité dans la capacité à ne pas durer et la qualité de résilience des dispositifs de sédentarisation. Alors ici, on n'est pas à Istanbul, bien sûr, on n'est pas non plus en France, mais c'est un autre détour très court par Grenade, en Espagne, qui m'a encore plus confortée dans l'intérêt de ce type de fabrication spatiale et de ce qui est produit par ces processus-là. Les usages et les dispositifs frôlent le sol, se posent, s'enracinent dans les entre-deux ouverts, les creux des quartiers de Gegekondu, et nous donnent de la matière pour penser le projet et participent à la construction de la culture de l'architecte, de la même manière que l'architecture savante que nous apprenons dans les écoles. Dans un état de flottement et de requestionnement quasi permanent, créé par les écarts et les détours, on se laisse se surprendre par tout fait inattendu, comme la tension flottante qui permet de saisir les choses et les états que les associations libres des habitants donnent à voir. Flottante ne suggère ni fuite, ni indifférence, ni indécision, ni faiblesse. C'est un état de disponibilité et de perméabilité, d'interrelation. Une attitude alors se construit pour l'architecte du geste retenu de la force différentielle. L'intervention de l'architecte puise la sienne dans la multiplicité de faire des habitants, permise par l'intensification des lieux à la qualité d'espace lisse qui invite et évoque sans imposer et sans refuser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc on va enchaîner avec Sébastien Thierry, qui est docteur en sciences politiques, enseignant à l'École normale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais. Avec le designer Rudy Bohr, il développe depuis 2008 un axe de recherche à l'ENSAD portant sur la ville et ses représentations. Il a fait partie du comité pédagogique de l'École des arts politiques, fondée par Bruno Latour à Sciences Po Paris, et il a participé à la création de l'Université foraine avec Patrick Bouchain. En 2012, il fonde avec Gilles Clément le Pérou. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le Pérou qui présente et représenté par Sébastien Thierry. Le Pérou qui est donc le pôle d'exploration des ressources urbaines qui développe des recherches-actions sur les marges urbaines. Auteur de plusieurs livres et films, il est en outre membre du comité éditorial de la revue Multitude. Sébastien, c'est à toi. Merci. Merci pour cette invitation. J'avais prévu de bien faire les choses et de vous présenter donc le Pérou, ce que l'on fait depuis 3 ans et demi que cette structure, cette association existe. Voilà, j'avais prévu de vous parler des zones de conflit dans lesquelles nous essayons d'œuvrer et de retourner, de faire se retourner des logiques de rejet en logique de projet, utilisant notamment un certain nombre d'outils importés de l'architecture, mais pas que. Je voulais vous parler de tout ça, et en fait j'étais ce matin à Calais, dans la jungle, où le Pérou travaille depuis le mois d'octobre,
Dans l'Ashram Kitchen, d'où cette carte que vous voyez est tirée, au petit matin, nous étions là, dans un coin de l'Ashram Kitchen, qui est un lieu assez extraordinaire, qui est une cuisine, où sont servis de très nombreux repas tous les jours. Il y a des concerts, il y a donc voilà énormément de monde qui passe là. C'est un des, je crois qu'il y a 48 restaurants dans la jungle, donc celui-ci est un des 48, ayant la particularité de servir des repas donc gratuits. Ce matin, deux hommes étaient dans un recoin de l'Ashram Kitchen. Un des deux chantait, fumait des cigarettes, on buvait un thé, et une première personne a fait irruption, qui s'est avérée Natacha Bouchard, la maire de Calais, suivie de Xavier Bertrand, président donc de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, suivie par François Hollande, président de la République. Ces trois personnes ont fait le tour de l'Ashram Kitchen, se sont attablées, ont discuté quasi incognito, ils étaient là tous les trois. Puis ils sont sortis de l'Ashram Kitchen. L'Ashram Kitchen est dans la partie zone sud de la dite jungle, qui est aujourd'hui dévastée pour un tiers à peu près, voire la moitié. Ils sont sortis de l'Ashram Kitchen et se sont dirigés vers le chemin des dunes, qui est plaine est. Chemin des dunes qui jouxte un ensemble d'habitations de 10 riverains calaisiens où une dizaine de personnes s'étaient réunies, les avaient sans doute vues passer. Je les ai suivis, puis une discussion a commencé à s'établir entre eux, d'abord cordiale et puis assez vive ensuite. Et puis tout l'attroupement est revenu dans la jungle et s'est installé dans les cols du chemin des dunes, qui jouxte vraiment ce chemin des dunes, école qui a été fondée, créée, construite par Zimako Jones, qui est un migrant nigérian. Ces trois personnes, Natacha Bouchard, Xavier Bertrand et François Hollande, sont installées dans l'école, notamment dans la salle où on trouve un certain nombre de matériel informatique et de machines à coudre, où des bénévoles anglais réparent des habits régulièrement. Et avec les 10 personnes a commencé une conversation que j'ai enregistrée. Alors, je voulais bien faire, vous présenter le Pérou, mais ayant assisté à cet événement, j'ai souhaité vous en faire part en ayant donc enregistré cette conversation et l'ayant transcrite dans le train qui me ramenait ici tout à l'heure. Alors, je vous en livre la teneur, je vais lire cette transcription. Et en même temps faire défiler quelques images. Un premier Calaisien. Vous annoncez vouloir accompagner ceux qui s'inventent dans la jungle et non plus détruire celle-ci. Êtes-vous donc devenu sourd aux citoyens et à leur refus d'accueillir des migrants? Méprisez-vous à ce point la démocratie? François Hollande. Nos politiques de violence à l'égard des migrants ont créé la figure d'une altérité radicale et générer l'hostilité que vous évoquez. L'omniprésence policière, les kilomètres de barbelés, la suralimentation de la crise ont nourri la fiction d'une opposition définitive entre eux et nous. Nous affirmions entendre l'angoisse des Calaisiens, et pour cause. Ce sont nos bruits de bottes qui l'ont généré. D'emblée, avec ferveur, nous aurions dû accueillir ces rescapés du monde, célébrer ce que nous avons en commun, ruiner ainsi la fable identitaire. Nous aurions dû saisir en eux la promesse d'un renouveau et par la joie étouffer le cri d'exaspération. Une ville, c'est d'abord le fruit d'une rencontre, la culture de ce qui n'est pas la guerre. À Calais, nous n'avons cessé d'attiser le conflit, menaçant les fondements de cette ville jusqu'à faire trembler ses propres habitants. Xavier Bertrand, pointant son doigt, sur la rocade surplombant la jungle, voyez passer ce camion allemand, transportant des oranges espagnoles, fonctionnant au pétrole saoudien, conduit par un chauffeur polonais, faisant halte devant un douanier français, empruntant des infrastructures de la multinationale Eurotunnel, en vue d'alimenter un centre commercial hollandais situé en banlieue londonienne. Alors, s'il nous fallait renvoyer tout le monde chez soi. Natacha Bouchard, voyez-moi,
Calaisienne de cœur et néanmoins fille de migrants, de père arménien et de mère polonaise. Les Calaisiens sont exaspérés par notre déroute, non par des migrants dont un enfant, Calaisien de cœur, sera demain leur mère. Sur 77 000 habitants, quelques dizaines à peine sont les auteurs d'actes racistes qu'une élue de la République ne saurait tolérer, qu'une juridiction pénale doit punir. Le choix de l'accueil, je le fais sereinement devant tous mes concitoyens. Je vais bientôt remettre devant chacune et chacun ma candidature à des élections municipales anticipées. Celles-ci feront date, elles inscriront enfin notre ville dans le 21e siècle. Un autre Calaisien. Mais vous ne pouvez tout de même pas accepter qu'un bidonville s'établisse en lisière de la ville et condamne ainsi des pauvres gens à vivre dans l'indignité. Natacha Bouchard. Ce sont nos politiques d'hostilité qui, contraignant le développement du bidonville, le font demeurer comme situation indigne. Si nous considérions le bidonville autrement, si nous osions enfin accompagner ce qui se construit d'espace comme de relations, alors nous apparaîtrait-il comme supplément de notre ville, non comme son envers. Telle est l'ambition de l'appel à idées que je vais lancer, réinventer Calais, engager le bidonville sur le chemin de sa transformation, faire de lui le ressort, y compris économique, de notre ville. François Hollande. Nous ne militons pas pour le bidonville, nous nous engageons dans le monde qui vient. Des crises écologiques, économiques, politiques vont jeter sur la route des centaines de millions de personnes. Nos dispositifs d'hébergement sont à la fois ringards et indigents. Et que dire de notre obsession sécuritaire ? Voyez les sommes folles engagées à Calais afin de traiter le problème, contribuant en fait à son aggravation. Il est temps d'inventer d'autres pratiques, attentives à ce qui, au milieu du problème, offre les promesses de son dépassement. Les migrants ne sont pas de pauvres errants, mais une multitude forte de savoir, savoir-faire, rêves et espoirs cruciaux pour nous tous. La jungle n'est pas un néant, creusé d'une animalité dangereuse. Elle est l'œuvre d'une foule d'Européens, d'une solidarité internationale sans doute unique au monde, qu'il nous faut savoir accompagner. Tel est l'enjeu de réinventer Calais. Prendre soin de ce qui s'affirme, de cette démocratie en acte, de cette urbanité hors du commun, en mobilisant ici nos créateurs les plus innovants. Nous rendrons alors Calais célèbre dans le monde entier. Xavier Bertrand. Dans ses décisions, la juge du tribunal administratif de Lille a affirmé que dans la jungle se trouvaient des lieux de vie, des sanctuaires à protéger, des formes d'urbanité. Nous entendons le droit en train de se faire, repérant ce qui s'invente, et ne pouvons que le respecter. Nous entendons l'humanité qui fait lieu, y compris dans la jungle, et ne pouvons que suivre son mouvement. Plutôt que de ne témoigner que de la boue, ayons l'élégance de la faire disparaître. Une demi-journée y suffirait. Plutôt que de ne voir que ce qui s'effondre, ayons l'audace de construire. Alors, une autre vie s'inventera, hautement digne parce que portée par une solidarité extraordinaire, par une politique d'avant-garde. Un Calaisien. Mais croyez-vous que les contribuables que nous sommes sont enclins à vous suivre dans un tel invraisemblable chantier, alors que souvent, nous n'avons pas même de quoi vivre dignement. François Hollande, vous avez déjà contribué à l'invraisemblable. Depuis fin octobre, nous dépensons 150 000 euros par jour pour la seule mobilisation de 18 unités de force mobile à Calais, dont 50 000 euros par jour pour leur seul hébergement. En 2015, nous avons dépensé 18 millions d'euros en dispositifs de contrôle autour du port et, avec l'aide des Britanniques, 51 millions d'euros pour la sécurisation du tunnel sous la Manche. Ajoutez à cela des dépenses moins scandaleuses, mais délirantes vu la pauvreté de ce qu'elles ont généré. 18 millions d'euros pour le fonctionnement du centre d'accueil Jules Ferry, n'offrant qu'un repas par jour. 25 millions d'euros pour le centre d'accueil provisoire, constitué de conteneurs spartiates sans l'ombre d'un point d'eau. Somptuaires et honteuses, ces dépenses ont dégradé l'image de la ville, tout comme celle de la République. Soyez certain que la crise n'est pas économique, mais morale. Entendre le contribuable, c'est-à-dire le citoyen de la République,
c'est construire avec les migrants et œuvrer enfin pour Calais. C'est faire de cette ville la capitale européenne de l'hospitalité. L'économie suivra alors, soyez-en sûrs. Natacha Bouchard. Sans vergogne, nous avons plaidé pour la création d'un parc d'attractions censé redorer le blason de Calais, tout en poursuivant ces politiques d'hostilité nous enfonçant collectivement dans la boue. Pour ce parc insensé nommé Heroic Land, nous avons réuni 275 millions d'euros en novembre dernier. Rompre avec la déraison, c'est investir ces moyens colossaux dans un projet susceptible de nous sortir enfin de la honte de nous-mêmes. Ce parc n'avait pour objectif que de nous en distraire. J'ai donc renoncé à sa mise en œuvre et décidé d'investir ces 275 millions d'euros dans un chantier extraordinaire, l'hospitalité. Ainsi bouleverserons-nous l'image de Calais. Ainsi apparaîtrons-nous réellement brillants aux yeux des touristes du monde entier. Xavier Bertrand. L'argent du contribuable, vous savez, ne peut servir à humilier des hommes qui ont traversé l'horreur et défiguré au passage notre territoire. Prétendant vous entendre, nous vous avons déshonoré. Un Calaisien. Je ne comprends pas pourquoi accueillir ces gens-là et construire avec eux une ville nouvelle alors qu'ils veulent fuir vers l'Angleterre. François Hollande. Quand, sur le chemin, vous faites une halte dans un hôtel, au prétexte que vous ne souhaitez pas vous y établir, accepteriez-vous que l'eau y soit coupée, que de chauffage il n'y en ait point, que l'on vous reçoive à coups de matraque ? Faire l'hospitalité, c'est non pas assigner à résidence, mais offrir à celui que l'on accueille les moyens de poursuivre son chemin. Et c'est aussi avoir l'intelligence de saisir au passage un peu de sa richesse, de sa force, de ses rêves. Xavier Bertrand. L'Angleterre scintille aux yeux des migrants désabusés comme un ultime espoir. C'est un mythe nécessaire au regard de l'hostilité omniprésente qu'ils rencontrent. Mythe dont les passeurs tirent d'ailleurs un bien large profit. Comment voulez-vous que les migrants envisagent vivre en France quand ils ne connaissent d'ici que l'épaisseur de la boue, le poids de la matraque, la haine de nos regards. La honte est là. Nous sommes devenus indésirables. Natacha Bouchard. Malgré cela, des liens avec notre territoire se sont noués. Voyez Imako Jones, créateur de cette école laïque du chemin des dunes. Voyez son implication avec tant d'associations, son désir de s'installer à Calais pour agir encore. Parce que nombre de Calaisiennes et de Calaisiens ont œuvré, créé des liens d'amitié, de solidarité et d'amour parfois, un véritable désir réciproque peut éclore et l'horizon avec lui d'une vie commune enfin. Voilà, ceci pour témoigner du caractère invraisemblable des temps présents de notre réalité. Ceci pour tenter une définition du Pérou, à savoir avec les outils de la fiction, renverser peut-être l'ordre des évidences, à la force de récits vraisemblables, faire face à l'invraisemblable. Ceci aussi pour évoquer ce que fait le Pérou à Calais, avec 8 équipes de recherche et 4 photographes, prêter une attention renouvelée à ce qui se construit, à ce qui s'invente, à ce qui s'affirme, pour tenter de le prolonger et mettre ainsi en déroute la logique à l'œuvre, à la désœuvre de la destruction de tout. Merci. Donc pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, donc en tout cas, dans les deux premières présentations, il y a une des interrogations que j'ai. Donc, je n'avais pas eu l'occasion de lire la surprise de Sébastien Thierry, donc je la découvre. Mais dans les deux premières, une des interrogations que j'avais, c'est le rôle que pour chacune de vous, la référence à une philosophie ou à une théorie critique dans le cas de Quito et à François Julien dans le cas d'Istanbul, ce que ça vous permet,
Et entre autres, donc dans le cas de Quito, j'ai eu une insatisfaction parce que je crois que c'est un symptôme de la recherche. On a tendance à toujours présenter d'abord la théorie et puis le terrain. Et en fait, du coup, on attend énormément du terrain et en fait, on a envie d'en savoir beaucoup plus. Et on a envie de savoir comment très très concrètement ça s'articule. Comment très très concrètement ça crée ce que la théorie promet quelque part. Donc ça c'est dans le cas de. Est-ce que ça va là? Do you want me to repeat in English or it's fine? It's fine. Et dans le cas de la Turquie, donc dans la présentation ça y répondait déjà un peu mieux, mais il y avait cette question donc de l'emprunt à François Julien de ce mouvement de détour et de retour. Et en fait, il y avait aussi, par manque d'espace, de temps et de développement, mais vraiment la question du retour et de ce mouvement de qu'est-ce qu'on apprend et quelle est la posture qu'on prend face à des territoires comme ça, dans un territoire comme le nôtre, avec les manières de faire de l'espace qui sont les nôtres et qui sont très différentes. Et donc, dans le cas, sans doute, du Pérou, ce qui est... Là, il y a quelque chose de... Il y a une posture qui est prise et qui est expérimentée directement. Donc, dans ce cas-ci, la fiction qui dit ce que l'on voudrait entendre ou et qui montre ce que l'on voudrait voir. Donc là, il y avait seulement cette carte, mais déjà la carte qui, tout à coup, on a l'impression que c'est un pays merveilleux, un parc d'attractions. et donc là, peut-être, on voit le mécanisme en train de se faire. Donc là, il n'y a pas vraiment cette question de la promesse de la théorie. Et peut-être que du coup, il y a moins de frustration parce qu'on est directement dans la matière. Donc je ne sais pas si vous voulez répondre, peut-être. Paola est sur ce lien-là, donc je pense que vous pouvez. Alors, I came across this their methodology recently. Vous savez que j'ai découvert cette méthodologie récemment. J'avais lu Rancière lorsque je préparais mon master, et je dois dire qu'il a toujours eu une forte impression sur moi, et parce qu'il dit que nous avons la capacité d'agir autrement, de faire autrement, et cela, en fait, ressemble beaucoup à ce qui est dit par notre agence et d'autres agences spéciales, en fait. Et tout, en fait, c'est relié à des moments différents. Mais je crois que ce que fait l'atelier, c'est en fait une combinaison en fait d'agences. Donc, ce n'est pas l'atelier qui travaille de façon indépendante, mais il travaille avec l'université et parfois avec les collectivités. Les collectivités viennent à l'université et vous savez, parfois, ils viennent demander de l'aide, de l'assistance. Et donc, ils vont décider ensemble. Et dans d'autres cas, ils contactent des collectivités par le biais de leur réseau, soit personnel, soit professionnel. Et donc, vous voyez que c'est en fait c'est une collection de volonté, si vous voulez. C'est pas que les uns font agissent d'un côté, la collectivité de l'autre. Non, en fait, je sais pas comment vous le dire, mais en fait, ils travaillent ensemble. C'est pas facile. Parce qu'ils doivent planifier à l'avance. Il faut en fait que cela fasse partie du curriculum. Et c'est un processus, bien sûr. J'ai parlé avec eux afin de pouvoir justement rédiger mon article. Et
Je dois vous dire que cela comprend beaucoup de facteurs. Ce n'est pas que les étudiants qui sont responsabilisés par la façon qu'ils entreprennent leur pratique. Donc c'est vraiment un assemblement de beaucoup de choses. Et vous savez que je me demandais comment ils arrivaient à faire cela, parce que ce n'est pas la norme. Mais c'est possible, c'est possible. C'est juste qu'il faut aller sur le terrain, sortir et faire des choses, agir. Ils disaient également qu'il fallait faire les choses avec de la passion. Pas avec le cœur, mais avec de la passion. Et vous savez qu'avec l'architecture, en tant qu'architecte, il faut savoir quand se retirer. Parce qu'il y a un moment où ils vont construire un projet et après, il faut partir. Vous ne pouvez pas avoir en fait une relation romantique ou idéalisée avec les gens parce que ce n'est pas toujours comme ça. Donc ce n'est pas toujours très participatif, ce n'est pas toujours facile. Il y a des conflits. Parfois, oui, j'avais une autre remarque à faire. En raison de la façon dont vous faites votre présentation, vous savez qu'on a des académiques qui présentent la théorie et après les études de cas sont très, très brefs. Et en fait, vous avez cette théorie extraordinaire politique, etc. Le processus semble si fluide, mais parce que la présentation du cas d'étude est si court, on voudrait en avoir davantage. Vous savez, on voudrait connaître les difficultés parce que c'est à partir des difficultés qu'on apprend. Et c'est là où on tire l'expérience. Et voilà comment j'aurais voulu savoir comment ils ressentent cela. Vous ne savez pas que le moment où tout est unifié, mais aussi les moments où rien ne marche, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter de cette expérience. Et en fait, Rancière est là en toile de fond pour m'aider à comprendre. La théorie est là pour m'aider à comprendre. Mais j'aurais voulu savoir plus le côté action. Oui, j'y ai pensé aussi lorsque je faisais la rédaction de ce texte. Et c'est vrai que cette méthodologie m'est restée en raison de la préparation de mon master. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il faudrait faire autre chose, mais vous savez, en raison du temps, et peut-être que j'aurais dû, oui. Peut-être que la prochaine fois, oui. Non, mais je pense que c'est le cas de tous, en fait. Hein. Mais voilà. Alors, par rapport à la question de la référence théorique qui permet à un travail scientifique de se conduire, là aussi, il y a une... Enfin, on va dire par rapport au domaine de la philosophie, il y a une inversion. C'est moi, je suis architecte, mes références sont des références de la culture de l'architecte et de mon vécu et de mes intérêts, de mes investissements, de mes propres expériences. Et bon, je vais expliquer François et Julien, en fait, que j'ai découvert le texte L'antre et l'écart il y a juste quelques mois, et ça m'a permis non pas d'expliciter le travail que je fais sur les quartiers de Gégé-Condo à partir des outils, avec les outils de l'architecte, mais d'expliquer moi-même en tant que personne qui voyage. Je suis pas, si je fais des retours, des détours, je ne suis pas où je suis, voilà, je flotte, comme je le disais, mais en même temps, cet écart existe et je ne parle jamais d'identité, je n'ai jamais parlé d'une identité quelconque que je pourrais avoir, je suis française, je suis turque, je suis quoi, j'en sais rien, et ça ne m'intéresse pas trop de toute façon, mais en même temps, dans cette référence, dans ce texte, j'ai vraiment retrouvé un appui d'un philosophe, voilà, qui dit les choses, qui m'a permis d'énoncer de manière vraiment, on va dire, partageable avec la salle, cet état d'être, on va dire, voilà. Après, ces concepts nous permettent en tant qu'architectes aussi
de penser autrement. Il ne s'agit pas de spatialiser ou de les adapter ou de les transcrire au domaine de l'architecture de manière plus ou moins directe, mais simplement ce sont vraiment des domaines d'interrogation qui s'ouvrent autrement et qui sont très très enrichissantes pour, je pense pour tout le monde, mais en tant qu'architecte pour nous, c'est sûr. Voilà. Merci. Et, oh, il y a plein de bras. Magnifique. Je me demandais, un des gestes pragmatistes par excellence, ça a été souvent de ne pas dire il y a l'économie ou la technique, mais des gestes d'économisation, de pluraliser les techniques, constamment de pluraliser et de provoquer, par exemple, pour la politique ou l'économie, des formes de déflation, quoi, de réduire les modes d'existence particuliers, c'est de pluraliser et de réduire un petit peu. Et je me demande un peu, qu'est-ce que ça pourrait être, je parle en nom d'architecte, alors peut-être, qu'est-ce que ce serait une déflation de l'architecture? Parce que dans les différentes histoires que vous présentez, il y a quelque chose de très juste, il me semble, de fonctionner de proche en proche, d'arriver avec des outils plutôt qu'un grand architecte en bâtissant, ou enfin de pratiquer des outils, de ce qui était raconté là sur Calais. L'inversion, il me semble, c'est quasiment de procéder assez minimalement avec ce qui se fait déjà, d'accompagner peut-être avec des outils, mais d'assez peu intervenir, il me semble. Et que précisément, le bon républicain dans ses droits, dans ses bottes, à l'inverse, il ne peut pas tolérer que des bâches fassent des toits ou des palettes fassent des cabanes à la ZAD ou à Calais ou ailleurs, sans les plans d'urbanisme, sans toute une forme d'assurance, etc. Toute la logique d'établissement du territoire. Mais du coup, s'il s'agit de procéder de proche en proche et que l'architecture puisse un peu destituer sa capacité à bâtir ou loger au cœur de sa pratique, le fait de ne pas trop construire ou de ne pas trop en faire, je me demande même comment l'architecture est possible, quoi, par rapport à ces histoires-là de proche en proche qui partent effectivement d'une situation qui se construise petit à petit, mais à l'inverse, une architecture qui part, par exemple, d'une table rase ou du chantier immédiatement, ça semble impossible, par contre. Pour répondre, juste, quand vous parliez, du coup, je pensais à quelqu'un qui a été exposé ici il n'y a pas si longtemps, Lucien Kroll, qui me semble être un parfait architecte, et néanmoins dans une forme de déflation, comme vous dites, mais non pas de l'architecture, mais de la pensée, peut-être de celle-ci, et qui me semble être une position réajustée d'une certaine manière au regard de l'histoire longue, peut-être. Il suffirait peut-être de penser qu'une ville est en 99% des cas un bidonville qui a réussi. Il suffirait peut-être de penser que, effectivement, l'accompagnement de ce qui s'élabore, de ce qui s'invente, de ce qui s'affirme, de ce qui se construit est peut-être le fondement même d'un travail d'architecte réajusté à ces situations qui non seulement sont existantes mais vont se démultiplier, on en est certain, donc il va falloir qu'on réajuste aussi cela. Voilà, donc peut-être que, je ne sais pas si je réponds d'ailleurs, mais enfin voilà, une forme de déflation, peut-être penser à partir de ça, c'est qu'un réajustement d'une position au regard et face aux situations, face à ce qui, non pas à ce qui a lieu, mais à ce qui fait lieu. Et là, le travail de projet est absolument crucial. Par contre, il ne s'agit pas de fétichiser, les archives sont aussi forts en ça, à fétichiser le bidonville, comme c'était des formes vernaculaires, etc., alors que là, à Calais, 90% des constructions sont la construction industrielle produite par des Anglais dans des usines qu'ils ont fabriquées juste à côté. Bon, voilà, c'est aussi faire la désinflation de toutes ces formes-là de discours, de postures, etc., et se retrouver face. Et œuvrer là, il y a du boulot. J'aimerais ajouter aussi par rapport à la question, aujourd'hui c'est impossible, effectivement, mais enfin impossible peut-être à la grande échelle, mais il y a des toutes petites actions quand même qui ont une force vraiment très très importante et qui ont peut-être capacité à faire réfléchir les choses. De toute façon, on est dans l'obligation de ça. Et donc, pour parler du travail que je suis en train de faire, je sais très bien que ces tours du Toki à Istanbul vont écraser le reste du quartier de Şirintepe, ils vont le faire disparaître, mais le travail que nous faisons par venir participer à la culture des architectes qui dessinent ou qui mettent en place ces projets avec les politiciens, elle pourra peut-être changer
dans des temps autres que le moment immédiat. C'est un peu en décalé, comme Yakamoz. Voilà, on fait ce travail aujourd'hui. Il ne va pas devenir forcément effectif à des grandes échelles aujourd'hui, mais a peut-être cette capacité à le faire, voilà, plus tard. On a cette responsabilité, je pense, en tant qu'architecte, dans nos travaux, dans nos propositions et dans l'enseignement, de faire passer aussi ce message, justement, de cette déflation, de la mutualisation, enfin, des choses toutes simples, et de dire que la petite surface aussi n'est pas un pauvre espace. Voilà, donc c'est vraiment c'est toute cette pensée des lieux de vie des gens par ce regard attentif pour en extraire les qualités. Oui, bonjour. Jim New, je suis architecte et enseignant à l'école d'architecture Paris-Lavillette. J'ai envie de poser une question, Sébastien. Thierry, mais qui pourrait être une question aussi à vous trois, quand vous êtes aussi engagés dans la pédagogie. C'est un peu sur un retour sur l'expérience, en quelque sorte, que vous avez montré des outils que vous mettez en pratique, le dessin, et aussi l'accent sur le processus, que ce n'est pas un produit fini. Et dans cette dernière présentation, tous les trois, bravo, les présentations étaient extrêmement fortes, et notamment... Dans cette dernière présentation, vous faites une conclusion sur une anticipation d'une fiction. Donc, ma question porte un peu sur cet outil, peut-être, cette forme de la fiction dans votre travail. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté? Et le pourquoi? Parce que vous parlez, en tout cas dans l'abstract, un peu sur la question de construire. On a vu, par exemple, avec la première présentation, cette sorte de hands-on, cette sorte de pratique de faire, et aussi qui a été évoquée plus tôt ce matin. Donc, je voulais savoir un peu votre avis sur cette place dans votre travail, sur le construire, la place à la fiction. Alors, Calais est un peu une situation, un terrain particulier par rapport aux divers projets qu'on est mis en œuvre, notamment assez longtemps dans deux bidonvilles dans l'Essonne, où un premier travail consiste à développer une politique de l'attention avant même de penser une politique de l'intention. C'est d'ailleurs ce que je répète à mes étudiants en école d'archi aussi. Où je les retiens, j'enseigne en projet et je sape le travail d'intention et je mobilise toutes les forces dans la question de l'attention. C'est-à-dire que comment on parvient à développer, c'est aussi notre antécédent commun avec Pauline et d'autres, et Céline, enfin avec Bruno Latour, développer effectivement des modes, des procédures d'attention et d'écrire et redécrire et redécrire en déployant de multiples outils de description afin de frayer le chemin à d'autres réponses. Donc ainsi s'agit-il de rénover le répertoire des savoirs. Et le chemin de l'acte construit est parfois premier dans nos procédures. On se définit aussi comme un organisme de recherche-action, hein, considérant qu'on ne comprend que ce que l'on transforme d'une certaine manière. Et le premier acte construit qu'on ait mis en œuvre dans un bidonville à Risson-Rogis, c'est une ambassade. On a construit l'ambassade du Pérou, donc évidemment, on est d'emblée dans la fiction, mais qui racontait aussi réellement une fonction première. C'est-à-dire une fonction diplomatique, de représentation d'ailleurs, tiens, de représentation, comment rendre autrement présent au monde cette situation-là, et aussi un caractère diplomatique, c'est-à-dire comment, considérant que l'acte construit, le projet d'archi, l'ambassade, qui était commandité à Julien Beller, qui était pour nous qui est fondamentalement un récit sur la situation, un récit de la situation, et qui nous permet d'entrer en interaction renouvelée avec tous les acteurs de la scène, et ainsi les faire se déplacer.
Voilà, donc c'est à la fois l'acte comme procédure de savoir, comme procédure de récit, et comme objet, fonction diplomatique qui est au cœur de... Alors à Calais, évidemment, j'ai évoqué Zimaco, l'école, l'ashram, etc. Ça construit de toutes parts, je dirais, et il y a la croûte du récit médiatique empêche qu'apparaissent ceux qui s'inventent et ceux qui s'affirment. Donc, plutôt que de construire, enfin, en tous les cas, on construit du récit, mais sans passer foncièrement par le geste architectural, mais en essayant d'élaborer des procédures de récit qui permettent de percer cette croûte et de faire apparaître ce qui s'invente. Considérant que voilà, c'est bien qu'à partir de cela que l'on peut envisager autre chose que le désastre incessamment répété. Donc ce sont aussi des procédures diplomatiques, mais qui prennent d'autres chemins, qui ne passent pas par l'acte construit, parce que Zimaco fait bien mieux que nous ce qu'on a fait avec l'ambassade, c'est-à-dire qu'il a créé cette école qui est suroccupée par d'innombrables Européens et qui est d'ailleurs repérée par le juge administratif, comme je l'ai dit, comme lieu de vie, et qui est donc épargné par les pelleteuses jusqu'alors. Bonjour. Ah, vous vouliez pas ajouter quelque chose avant ? Oui, je vais juste... je voulais continuer, en fait, ce qui vient d'être dit. C'est comment la fiction amène jusqu'à l'acte de construire. C'est pas forcément construire et fiction. Bon, d'une part, dans le cadre de la pédagogie, c'est ce qu'on essaye, entre autres choses, de solliciter. Et puis également, c'est comment, en fait, par des toutes petites actions locales, on peut expérimenter, cette fois-ci, dans l'autre sens de l'expérimentation, de quelque chose qui se construit physiquement, comme point d'impulsion de cette fiction attendue, et qu'on va après réinterroger. Voilà, c'est une phase, d'existence réelle, mais en même temps, peut-être que ce n'est pas la bonne, peut-être qu'il faudra revenir à l'arrière, c'est pour ça qu'on parle de force de résilience, projet comme moral provisoire, etc., etc. Voilà, en fait, c'est mobiliser aussi cette pensée de la fiction, d'un imaginaire, d'un récit, projet, et pas forcément une réalisation physique qui se formalise définitivement. Bonjour, je m'appelle Aurore. Je voulais d'abord vous remercier pour la présentation que vous avez faite de lieux de vie, d'habitat spontané, qui sont oui, des lieux de vie, en fait. J'ai moi-même, il y a quelques années, découvert, on me l'avait présenté comme un bidonville, un endroit dans la ville de Séville, en Andalousie. Et quand j'y suis allée, j'ai rencontré les habitants, je me suis dit, c'est un quartier, ce lieu, il lui donnait un nom, c'était un quartier, c'était pas un bidonville. Et du coup, moi je suis architecte, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros travail à faire déjà chez les architectes pour considérer les bidonvilles comme des espaces architecturaux, des espaces qui font partie de notre urbanité. Mais j'ai l'impression que le travail, il est aussi à l'échelle politique. Pour l'instant, les bidonvilles sont vus comme des lieux dont il faut se débarrasser. Et quel peut être notre lien avec les politiques pour inclure le bidonville dans nos processus urbains, dans nos politiques urbaines ? Est-ce que vous avez des pistes ? On a des solutions, non ? Non. Non, je ne sais pas comment répondre. Sinon, au premier point, c'est effectivement peut-être un des risques. Au Pérou, on essaie de travailler avec de multiples outillés, archi, artistes, photographes, etc. Et moi, mon travail de coordinateur est d'essayer d'empêcher les uns les autres de clore, et notamment les architectes. C'est-à-dire que les architectes ont une tendance à clore et à laisser entendre que la réponse est technique. Qu'elle est technique, qu'elle est constructive, que ça fait 50 ans qu'on sait faire des modules étanches, etc., etc. Et si c'était que ça, on pourrait le surdéployer à Calais, alors que ça n'est pas ça, évidemment, que ça n'est, c'est une question, encore une fois, pour répondre et rebondir, une question de récit, et quelle histoire on raconte, quelles histoires on se raconte, afin de sortir
du conflit qui a lieu. Et donc, c'est quelles formes produire, qui sont des formes de récits, encore une fois, quels récits produire qui sont générateurs de formes. Et donc, c'est d'emblée se penser non pas comme un technicien de la matière construite, mais comme un vous êtes, j'en suis pas, des conteurs aussi. Vous racontez des histoires, vos constructions sont des histoires, et c'est évidemment à cet endroit-là que des déplacements doivent opérer. Voilà, je ne sais pas si je réponds, mais c'est évidemment d'emblée la question est effectivement politique. Bien sûr, et les politiques, mais nous, en tant qu'architectes, avec nos propres outils, nos propres compétences, le propos, bien sûr, n'est pas de remplacer ou prendre la place des politiques, mais comment on peut contribuer en tant qu'architecte à peut-être aussi faire changer le récit que ces politiques se font de ces lieux-là. Et c'est pour cette raison que je pense que les outils de l'architecte ont une force là-dedans, parce que ces outils donnent aussi à voir les lieux dans leur qualité, et donc de faire basculer aussi la vision ou l'imaginaire que les politiques ont de ces quartiers-là. Et donc en effaçant la matérialité qui est peut-être vraiment désuète, de briques et de brocs, mais en même temps en montrant vraiment les qualités dans la mesure, dans les partages, dans l'inventivité et toutes les qualités qui sont attendues par les politiques. Bon, après bien sûr il y a les questions économiques, financières, voilà, ça va pas générer, ça ne va pas produire autant d'argent que les autres formes de construction, mais en même temps peut-être qu'il y a le rôle des outils de l'architecte dans ce récit. Maybe you add something and then I think I'll have to. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose et après je vais devoir conclure. Eh bien, je voudrais être en accord avec vous, soulever une question peut-être. Les hommes politiques, femmes politiques, ce n'est pas toujours la bonne direction à prendre. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais est-ce qu'il y a d'autres chemins en dehors du système politique? Je ne sais pas, mais c'est peut-être que ça vaut la peine d'y penser. Et se remémorer Zizek et une de ses conférences sur un poème et sur l'architecture, il dit de ce que nous faisons en tant qu'architecte, vous êtes en train de marcher sur les rêves des gens. Marchez légèrement parce que vous marchez sur les rêves des gens. Donc, c'est une grande responsabilité, je pense. Voilà ce que je voulais dire. Oh, une toute petite. Je voulais clôturer, mais une toute petite. Oui, c'est parce que je trouve vraiment passionnant les ouvertures et les réflexions sur le grain de l'habité, des gestes domestiques, des manières de construire. À partir de ce qu'on sait faire, chacun, à partir de ce qu'on peut porter, à partir de ce qu'on peut organiser, en dehors d'une expertise savante ou de moyens financiers ou de moyens de levage, tout ça. Et en même temps, j'arrive pas à me satisfaire de quelque chose qui dissolverait l'architecture dans le discours. Enfin, peut-être c'est excessif, mais parce que je crois pas que ça ne soit qu'une mise en mots. Parce que ce qu'on a vu là, c'est qu'on n'a pas vu l'architecture du côté où elle se fabrique, parce que ce sont les gens qui la font dans une sorte de pulsion nécessaire d'avoir un toit ou de protection, mais aussi d'installation. Alors voilà, c'est une question que j'avais, parce que je trouve ça vraiment passionnant, et évidemment, toute cette sorte d'enracinement temporaire de la culture nomade, qui est une architecture qui est très légère, parce que tout ça, c'est vrai que c'est fait sans moyen électrique de levage, on pourrait dire. Enfin, il y a des choses qui sont comme ça. Mais en même temps, il y a toute la partie de la construction qui n'était pas dans les présentations, mais qui me semble fait partie de l'architecture aussi, et de la regarder uniquement comme une mise en mots. Évidemment, la parole des architectes est fondamentale et il faut qu'ils soient forts de cette parole-là, mais il y a aussi toute une part, en tant qu'architecte,
de compétences à construire qui ne peut pas se réduire au langage. Enfin, voilà, c'était. Tu veux répondre avant ? L'impression que j'ai, enfin, quand j'avais lu les deux papiers et maintenant avec l'ensemble, c'est que quelque part ici, ce sont les mots qui disent ce que l'architecture a pu faire dans ces trois situations. Donc, peut-être que là, ce que Sébastien choisit aujourd'hui était un récit de mots, mais il y a d'autres travaux. Et même, je pense, cette carte qui était fascinante, qui est un médium de l'architecture pour juste dire, c'est dire des expériences d'architecture avec des outils d'architecture qui ont servi à donner une autre idée de la situation, et pas seulement une autre idée, mais de la rendre autre. Et donc, quelque part, peut-être que ce panel était sur ça ou abordait cette possibilité-là de dire l'architecture en acte. Voilà. Juste à rajouter, oui, il est aucunement question de dissoudre, hein, c'est augmenter peut-être, et en tous les cas, Laurent Malone, qui a travaillé donc à la toute petite échelle, lui, effectivement, a dirigé son attention sur justement tous ces détails, sur ces modes constructifs, etc. On travaille largement sur les typologies constructives et aussi sur des réponses techniques, à l'évidence. C'est au contraire, c'est sûrement pas dissoudre, c'est au contraire peut-être déplorer parfois une dissolution de l'architecture dans sa seule technicité, alors que, évidemment, on est d'accord, je crois. Juste si je peux compléter, c'est en fait l'architecte, par la connaissance qu'il va produire à partir des situations locales, va pouvoir partager ses expériences locales avec d'autres architectes, et du coup c'est plutôt une consolidation qu'une dissolution. Mais effectivement, c'est vrai que il ne s'agit pas que des mots, il s'agit aussi des espaces et de l'expérience partagée avec d'autres qui vient consolider dans cette transformation en fait nécessaire de la pratique de l'architecte. Merci beaucoup. Ah non. Il y a des... Ah bon, alors... Bon, on me dit de clôturer, mais en fait non, mais peut-être que oui, je ne sais pas, vous avez soif. Pour rebondir sur la dernière question de Xavier, c'est une question que j'adresse aux trois personnes qui sont toutes pédagogues et enseignantes. Ici, le tournant de l'expérience, ce n'était pas effectivement un tournant qu'on prend, qui nous éloigne d'un XXe siècle et de ce grand récit viril, dominant, majeur, moderne, évoqué ce matin par le modérateur. Et qu'effectivement, être architecte, c'est gérer, ou l'architecture est un moment d'un temps long du processus d'habiter le monde, et que précisément, il est, enseignez-vous à vos étudiants désormais, pouvez-vous imaginer qu'on leur enseigne qu'être architecte, c'est aujourd'hui peut-être vertébrer patiemment ici un processus, ailleurs un camp, dans un horizon très différé de sa consolidation définitive, un temps anthropologique. Ça fait partie des références. Enfin, moi personnellement, je n'enseigne pas que ça, mais j'enseigne aussi ça. Enfin, ça fait partie de ma culture d'enseignant. Moi, n'étant pas architecte, dire que je ne sais enseigner que ça. Je ne suis pas véritablement enseignante pour l'instant. Je pense qu'il y a un tas de possibilités pour les architectes d'enseigner d'autres choses, autre chose que ce que nous avons été enseignés à faire, plus que ce que nous voyons comme la grande référence de l'architecture. Il y a des façons de faire différentes, de considérer la ville et les gens, parce que c'est l'objectif de ce que nous sommes, je pense. C'est le but de ce que nous sommes, non ? Je propose que nous laissions quelques curiosités, insatisfactions, etc., pour que la discussion continue autour d'un verre, encore plus vivement. Voilà, merci beaucoup.